Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Teeny Tinas Wonderland Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! C'est qui ce Joey? Et là, je sais plus où est. Vous êtes coincé. Tenez, je vous fais un petit pont. Décret sur l'infrastructure. Ah, il y en a une là. Et deux... Oh, neuf à ça. Bon. Faut que je parle à lui qui est là, j'imagine. Bon, je vais aller lui parler. T'es où? Vous les avez bien calmés, c'est ça. Eh oui. Une pierre de passage de la reine? Oh bah merde! J'en avais jamais vu avant. Vous êtes une main du destin. En effet. Et je suis d'accord pour vous vendre mon autographe. Ok. Oh la vache, je suis impressionné. Je croyais que c'était un mythe, ces conneries. La magie de la reine a amplifié vos pouvoirs de main du destin. Les armées du Seigneur Dragon vont se prendre une bonne raclée. Vous avez débloqué votre exploit de classe. Il s'agit d'une capacité passive, toujours active, associée à votre classe. Pas besoin d'investir de points pour l'obtenir. Chaque arbre de compétences peut potentiellement synergiser avec un exploit. Chaque classe ne possède qu'un seul exploit. Pour en savoir plus, rendez-vous dans le menu des compétences et découvrir tout ce qu'il y a à vous offrir. Eh ben, tu t'en sors drôlement bien. Mince, si seulement j'avais quelque chose en réserve. Bam ! Un drone explose la porte !
foire, m'imputez ça. Blague à part, n'enfermez pas vos trolls dans une réserve. Ils sont pas trop propres, ils vont pas geeker. Que j'entreaperçois. Ne serait-ce point un poème? Son auteur serait sans doute comblé. Salut, Steel Reads, what's up? Les cieux de Serre d'Argent offrent une vue splendide et les mines de Strasville étincellent de mille feux. J'ai encore des rimes en stock. Suffit de parler au poète de la taverne de Sabot Ardent. Steel Reed, what's up? Admirez mon attirail! Et pas incapable de me résister. Faites un effort. Attention, main du destin. Je ne fais que m'échauffer. Pas
par ici, main du destin. Oh, une caverne. C'est pas la caverne que j'ai déjà ôté au début. Ah, ok. Oui, c'est ça. Ok, je comprends, là. On est revenu au début, mais par un autre chemin. Elle a fait un pas, en d'autres mots. On va voir ce qu'on passe par ici ou... Voyons, je suis pris. Pas trop sûr où aller, là. Hey, y'a que ça là, regarde ça. Bon ben, on continue. Oh, ça va pas dans le vide. Il n'y a pas de limite de poids de l'inventaire dans ce jeu. Atteindre les ruines, mais là, je suis tout mêlé. Hein. Oh, j'entends quelque chose, il y a quelque chose là. Ah oui. On va booster les numéros.
énigme. Génial. Diabolique, cherche à te mettre à l'épreuve. Tu crois que tu pourrais relever le défi? Plus y a de tête, meilleur sera le butin. Oh. C'est là que j'étais tantôt, faut que je revienne sur mes pas là. Je crois en tout cas. Hey, y'a un coffre là. Et ça, c'est vraiment le tout début, là. Je pense que c'est pas ici qu'il faut aller du tout.
Je dois aller où exactement, là? Ah, la carte. Atteindre les ruines. Moi, je suis où, là? Tu me parles de où je m'en vais? Ah, c'est là où je vais. Bleu. À couteau tiré. Et moi, logiquement, je suis où, là? Ma couteau de tirer, c'est là. Je peux pas aller là, je suis pris là. En tout cas, on verra bien. Tu m'as dit parle de nouveau à lui? Franchement, j'y croyais pas trop. Mais vous les avez sacrément dérouillés. Vous êtes une vraie main du destin. Ah. Allez, venez. On a interrompu la... Ah, faut jouer. Mais quelques-uns ont quand même réussi à passer. Ah, tu ferais bien de te dépêcher si tu veux m'arrêter et sauver le monde. Je vais forcément finir par détruire Sabot Ardent. Fallait que j'allais à la porte ici seulement. Wow. Un instant, je vais nous faire entrer. Hé hey, Seigneur Sky, ouvre la porte. Mot de passe. Le mot de passe, c'est ouvre cette putain de porte ou je t'enfonce des feuilles dans la gorge, une poignée dans le cul et je fais de toi ma nouvelle théière. C'est bon, c'est bien lui. Ouvre la porte. Venez. Je vous préviens, ça va être un sacré merdier là-dedans. En entrant dans Sabot Ardent, vous vous retrouvez face à un véritable carnage. Les maisons brûlent, des squelettes mangent les pieds des gens, c'est la grosse défaite. C'est la grosse déprime. Bon, venez, il faut qu'on nettoie la ville. On va se battre place de la Crinière. Oui, oui, en avant, mon indomptable armée des ténèbres. Quand je me serai emparé de le monde entier sera à ma merci. Est-ce que ça marche au moins? Et je le tue des têtes. Je parle d'une haine totale, une rage absolue qui court.
comme un feu. Dis-moi si quelque chose que je peux faire pour toi. Des vendors que je pourrais tuer, par exemple. Hein? Hein? N'hésite pas. Bon. Hey, Mr. Fight! Mr. Flight, excuse. Ça va tranquille, pis toi? T'as déjà joué à Borderlands? Ça, c'est un spin-off. Donc, c'est un peu comme le même principe que Apex Legends, c'est un spin-off de Titanfall. Là, c'est le même principe.
Moi, j'ai jamais joué à Borderlands, oui. Dans Hellblade, tout ça, on a avancé. Il reste rien qu'une heure ou deux. Carpocalypse aussi, on a bien avancé. Il reste une heure ou deux dans Carpocalypse. Je savais que j'attendais de quoi ça. Levis.
Je préfère ne rien dire au pont-levis, je le laisse venir à moi. Est-ce que ça marche? Ok, pas besoin de lancer le dé sur ce coup-là. Le pont-levis répond à vos avances. Ça marche à chaque fois. Squelette, droit devant! Allez, la place de la crinière est par là! Le squelette qui m'apportera la tête scintillante de la reine se verra offrir des cuisses de poulet. Évidemment, vous ne pas les manger. Mais vous pourrez assommer des humains avec. Nettoyez la place! On doit tenir l'endroit à tout prix! J'avoue. Surtout lui que j'ai joué hier, là. C'est... Ah putain, qu'est-ce qui se passe? C'était un bel épisode hier, je trouvais ça intéressant. Puis Hellblade, c'est super bon. Le 2 va sortir bientôt, je pense. À moins qu'il est déjà sorti, puis je le savais pas, là, mais je pense qu'il va sortir bientôt. T'es où hier? On t'a pas vu, je pense, ça fait une journée ou deux, non? T'as-tu fait kidnapper et on n'a pas fait de recherche?
Je vais où là? Dieu le pas enlevé. Vous avez tous sauvé, main du destin. Vous êtes la lumière de Sabot Ardent. Et maintenant, passons à cette histoire de Seigneur Dragon. Je suis sûr que la reine sera ravie de rencontrer notre nouvelle main du destin. Les portes du château sont par là. La vache, je vais rencontrer une reine. Les portes du château de Sa Majesté s'ouvrent comme si elles avaient attendu votre arrivée. Et là, vous entendez le clop-clop de sabots parfaits sur les pavés. Voici la plus majestueusement parfaite des souveraines ayant jamais existé. La reine est à l'eau du cul! Reine de quoi? La magnificence! Elle vous submerge de ouf! Ouais, je la sens. Étalant du cul. Pétillant. Tu as juste renversé ton soda. C'était fait exprès. C'était en l'honneur de la reine. Ouais. Ah oui, ok. Pas de soucis, je transmets. Bon, alors, elle dit que vous êtes la plus courageuse main du destin que le royaume ait vue depuis longtemps. Mais, bien que vous ayez repoussé l'attaque du Seigneur Dragon, son sort ne pourra être scellé que par un seul objet. Vous devez récupérer... La lame des âmes! La ferme, je parle! Ouais, c'est la lame des âmes. Cela dit, merci Valentine d'avoir bien écouté tout le début de l'histoire. La lame des âmes, c'est l'arme la plus cool de tout le jeu! C'est vraiment elle qu'on va trouver? Bah, si vous réussissez la quête, ouais. Je vais rouler sur la quête avec une tractopelle. Je la veux, cette épée. Un peu extrême, mais j'apprécie l'idée. Enfin, je crois. Sa Majesté dit que la lame des âmes est cachée dans la butte du tombeau détruit. Elle y attendra personnellement votre arrivée. Est-ce qu'elle vient de nous conférer un grand honneur? J'ai toujours voulu qu'on me confère un truc. Ma poule, elle te l'a ultra conféré. Mon rêve se réalise. Il y a quelque chose là. Admirez mon attirail.
Et voilà. Ça, c'est un dé qui porte chance. T'as joué un peu à des jeux dernièrement? Des leçons. Des leçons de quoi? Ce pont est levé, mais vous pourriez le franchir en le tabassant. Et ouais, les potes, battent plus 5 en haïku. Ah zut, j'ai jeté la mauvaise arme à terre. Tu sur moi ou si t'es pas sur moi, je suis pas sûr. Attire sur moi.
Va. Quoi je fais avec ça, non? Pas sûr à quoi ça sert. Il faut deux morceaux, j'en ai juste un.
monnaie sur toi. Aussi les... Ne plus. Ouf. Au fond, la vraie magie, c'est l'écriture ciselée de talentueux scénaristes à travers le monde. Thank you.
Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Teeny Tiny's Wonderland, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!